Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. La recette que je vous présente, c'est comment je fais ma soupe. Une soupe légère de lapin. Bon, lapin voilà. Que j'ai découpé. Donc, bon, j'ai découpé les morceaux légèrement. Ok. Donc, comme ingrédient, j'ai pris mon lapin là. Et puis, la marinade d'épices africaines. La recette est déjà sur ma chaîne. Du piment haché, de l'oignon haché, de la tomate hachée. Et puis ici, nous avons un peu de concentré de tomate faite maison. La recette aussi est sur ma chaîne. Du sel, du poivre. Un bouillon d'assaisonnement magie poulet fait maison. La recette aussi est aussi sur ma chaîne parce qu'à chaque fois je vous dis je mettrai le lien en barre d'infos mais je ne mets pas parce que j'ai pas le temps. Donc vous pouvez aller directement voir sur ma chaîne. Là ici dans ma casserole je vais rajouter mes morceaux de lapin. C'est peut-être envie de manger aujourd'hui ou bien. C'est trop dans la bouche comme ça. Là je vais saler, poivrer, rajouter mon bouillon d'assaisonnement poulet. Et puis je rajoute un peu de concentré de tomate. De l'oignon que j'ai coupé. Je rajoute du sel. Et quoi? Et on va laisser tout cela revenir. Là, quand ça bout ainsi, je vais rajouter la marinade d'épices africaines. Oignon haché. Tomate hachée. Et puis, ça, c'est le piment. Mais je vais attendre d'abord avant de rajouter. Avant de rajouter ça. Et je vais rajouter de l'eau. Puis, on va laisser bien cuire. À tout à l'heure. La canne, ça a bien bouilli comme ça. Après 45 minutes, je vais rajouter mon piment que j'avais écrasé. Et je vais laisser encore bouillir 40 minutes. Bon, 30 à 40 minutes, ou vérifier, voir si c'est prêt. Je vais arrêter mon feu. C'est top. Là, la soupe est enfin prête. On va la laisser un peu reposer et puis je vais servir. On se dit à tout à l'heure. Ok les amis, voici le résultat de ma soupe légère de lapin. Donc si tu as aimé la recette, n'oublie pas de liker, de t'abonner puis de partager. Possible aussi d'activer la cloche. Notification pour recevoir des alertes lorsque je mets en ligne de nouvelles recettes. Donc on se dira bye bye. On parle pas trop, on parle pas trop. On parle pas trop, on parle pas trop.